Bonjour à tous, c'est TG et j'espère que vous allez tous très bien. En tout cas, moi ça va impec. Et aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode numéro 3 des pépites. Voilà, et tout simplement aujourd'hui, on met la Bundesliga à l'honneur. Bon, ça n'hésite pas bien sûr à liker, à partager et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et également à rejoindre mon Discord. On n'est pas encore très loin des 1000, donc voilà, n'hésite pas à le rejoindre si tu n'as pas encore rejoint. Donc, comme d'habitude, vous connaissez maintenant un petit peu le système. Les pépites, tout simplement, c'est quoi? C'est tout simplement des joueurs hors à moins de 500k XP compris. C'est pour ça que des fois, il y a des joueurs qui sont même des belles pépites, mais malheureusement, ça rentre pas dans le prix. Qu'on passe hors Elite Master pour voir un peu l'évolution de leurs stats. Puis voilà, quoi, sur FIFARenders.com. Donc, n'hésite pas, bien sûr, à aller sur ce site, c'est très très bien. Et alors, une liste de 15 joueurs. Donc, c'est parti, on commence par le gardien. Et c'est Farman. Voilà, Farman, il est revenu en Bundesliga. Et c'est une valeur sûre, voilà, 1m97, très très fort, rien à dire, voilà, garde ses stats, plus défenseur allemand, donc pour faire des liens, c'est plutôt facile, voilà, on va pas y passer des heures, mais voilà, Farman, après il y en a d'autres, il y a Nubel aussi qui est pas mal, donc voilà, n'hésite pas à prendre celui que tu préfères, bien sûr, pour l'instant, il n'y a pas encore de gardien qui est vraiment exceptionnel, donc voilà, si tu veux prendre Farman, prends Farman, mais moi, je serais toi, je privilégierais la taille, comme je dis, souvent pour un gardien. En latéral gauche, c'est Günther, voilà, qui est vraiment très très fort, il fait 1m85, donc c'est plutôt pas mal, il est rapide, bon défensivement et bon physiquement, et puis voilà, tu peux voir ce que ça donne, c'est quand même vraiment vraiment très solide comme latéral gauche. Il y a Ben Sebaini qui sort maintenant en Ligue des Champions, qui est pas mal également, mais voilà, Günther s'est amélioré si tu préfères un défenseur plus rapide. En tout cas, voilà, rien à dire, très complet et très bonne qualité de centre, ce qui est important également pour en latéral. La paire centrale, je te conseille simplement une paire centrale à prime capitaine. Le premier, c'est Dedrick Boyata, voilà, qui a tête puissante, donc ça c'est très important également, qui est 75 de base, donc il coûte pas très cher, et il a 86 de physique de base, donc voilà, c'est très très lourd. Voilà, 80 ce que ça donne, très très fort, rien à dire. Et à 90, voilà, c'est tout simplement une machine, enfin un bon défenseur bien solide. Voilà, franchement rien à dire. Plus comme j'ai dit, tête puissante, c'est pas mal. 1m88, très bonne détente, donc voilà. Je pense que sur corner, il peut faire du bien. Et pourquoi j'ai pris celui-là? C'est simplement parce que il y a Konaté qui est sorti en équipe de la semaine. Et tout simplement, bah voilà, il faut l'utiliser. Il est pas cher du tout, il a prime capitaine, c'est pour ça que j'ai pris Boyata. Et lui, c'est 1m94, c'est très fort, c'est très rapide, très bon défensivement et très bon physiquement. Voilà ce que ça donne, franchement, il n'y a pas grand-chose à dire. Très belle carte, très solide. Plus français, au pire, pour faire des liens d'autres, pour faire d'autres liens, il y a moyen. En tout cas, voilà, rien à dire, très très bon. En plus, il coûte pas cher, voir s'il est pas calme. Et en plus, tu peux peut-être même le packer si tu ouvres des packs. Donc voilà, franchement, valeur sûre en défense centrale, prime capitaine en plus. Et au pire, si tu veux faire avec full lien, il y a Upamecano, mais lui, c'est beaucoup plus cher. Mais sinon, ça fait français, plus les petits, ça fait pas mal également. Nous passons au latéral droit, et là, c'est une valeur sûre chaque année, c'est Mbabou. Voilà, Kevin Mbabou de Wolfsburg. Très rapide, très bon défensivement, physiquement et de l'agilité, et très bon en centre. Voilà, ça donne à 80 général, c'est tout simplement très très fort. Rien à dire à 90. Le voici, voilà, franchement, très 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 costaud, très fort, 1m84, donc c'est très bien également niveau taille, hein, parce que voilà, les centres-têtes, ça marche un petit peu aussi, donc c'est bien que les latéraux savent défendre ce genre d'occasion. Donc voilà, Mbabou, valeur sûre. En plus, il fait des liens parfaits avec, par exemple, Akanji en défense. Voilà, que j'ai pas mis dans ma liste, mais voilà, Akanji, derrière, ça passe également. Un petit Zakaria qui est élite, lui, qui est suisse également. Donc voilà, ça fait un bon petit triangle suisse, là. Très, très fort. Nous passons au milieu def. Alors, bien sûr, comme j'ai dit, il y a Zakaria, il y a Leimer en élite qui coûte vraiment pas cher. Mais si tu veux partir sur une or, bah, je te conseille Guendouzi, qui est vraiment très complet. Pas grand chose à dire. 1m85, donc voilà, franchement, pour une sentinelle, c'est très bien. Prime Destroyer, très complet. Franchement, voilà, il a pas une stat exceptionnelle, mais il est très complet. Ça, c'est pas mal pour un milieu de terrain. Voilà, bon passeur, bon défensivement, bonne agilité. Voilà, pas grand chose à dire sur lui. Valeur sûre, mais voilà, je t'ai dit qu'il y a, comme je te l'ai dit, il y a Leimer, qui est vraiment une carte très très belle. Et Zakaria également, MDC élite. Donc, vu leur prix, pourquoi pas prendre une élite plutôt que XP en joueur. Nous passons au milieu centraux, et là, c'est le premier, c'est Palacios, qui va plus être en milieu de terrain, plus technique et en frappe par rapport à celui que je vais te présenter, et prime interception, voilà, très complet, franchement très complet, rien à dire, double 4 étoiles, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a 4 étoiles de mauvais pied et 4 étoiles de geste technique, c'est pour ça qu'il fait le flip-flap, voilà, sinon le reste, c'est très fort, voilà, il est parfait, et très équilibré, voilà ce que ça donne à 90. Pas grand chose à dire, 1m77, mais voilà, très technique, très agile, très bon en passe, et bonne finition. Donc voilà, pour un milieu de terrain, il faut pas plus non plus. Et le deuxième, c'est tout simplement Serdar, voilà, qui est une valeur sûre depuis le FIFA 20, parce que voilà, c'est très complet, regarde, tout au-dessus de 70, c'est très très fort. En bon 1m84, donc c'est bien également, en bon grand défenseur, et en plus il a la petite caractéristique spéciale, se jette sur les tacles. Donc voilà, pour défendre, c'est plutôt pas mal. Nous passons à 80 général, et là voilà, il a 73 partout, très complet, rien à dire. Et alors, à 90, voilà, c'est très fort. Franchement, c'est une machine. En plus, milieu central allemand, donc il y a
moyen de faire des liens plus facilement. Voilà, rien à dire. Valeur sûre, si tu le veux, prends-le. Et voilà, en élite, il n'y a pas grand-chose en MC pour l'instant. Enfin, il y a Demir Bey, mais il est vraiment pas ouf, je pense. En Serdar est mieux, surtout amélioré. Donc voilà, n'hésite pas à le prendre. Nous passons au milieu gauche. Et alors là, je te conseille João Victor, tout simplement pourquoi ? Parce qu'il est rapide, il est technique et surtout, il a 5 étoiles de mauvais pied. C'est assez important. Voilà, comme ça, moi, je ne dois plus te poser la question. Si je dois tirer du gauche ou du droit avec lui, c'est pareil. À 80 général, voilà ce que ça donne. Très très fort, rien à dire. Franchement, toujours aussi rapide. Bonne agilité et assez bon en frappe. Et une bonne qualité de centre. Et voilà, à 90. Si tu veux, il y a également du Kostic. Mais attention, Kostic, c'est 2 étoiles de mauvais pied. Il y a également Tonkan Hazard, voilà, qui est double 4. Ça peut être pas mal également, mais manque un peu de vitesse par rapport à Victor, bien sûr. Nous passons au milieu droit, et là c'est Luke Batio, voilà, qui est tout simplement une carte assez incroyable. 1m87, donc c'est très grand, bonne vitesse, prime contre, bonne agilité également, voilà, bonne stat en frappe de base. Voilà ce que ça donne à 80 général, c'est plutôt très fort, franchement c'est vraiment pas mal. Et en plus, il fait lien parfait avec Boyata si jamais tu joues dans un 4-4-2. Voilà, c'est Belgique plus Hertha Berlin, c'est un lien plus que parfait même. Voilà, en tout cas, rien à dire, très belle carte, voilà, 90 ce que ça donne. Et que franchement, il est très complet, offensivement il est très fort. Alors le seul petit défaut, entre guillemets, c'est 3 étoiles de mauvais pied, mais il rentre sur son gauche. Donc je pense que ça peut quand même être pas mal. Nous passons au milieu offensif, et là c'est encore un joueur du Hertha Berlin, il y en a pas mal dans cette vidéo. C'est Matheus Cunha, voilà, qui est vraiment très incroyable, parce qu'il a, il est bon, il a une bonne vitesse, une très bonne agilité, et une très belle stat de finition et de tir de loin. Voilà, franchement, 4 étoiles de mauvais pied et 4 étoiles de geste technique, donc il y a le petit flip-flap. Qui est vraiment intéressant. Voilà, ça donne à 80. Franchement, lui, c'est une belle valeur sûre. Il coûte pas vraiment très cher. En plus, il est brésilien. Donc, si tu veux même partir sur une hybride avec Bundes plus brésilien, ça fait tous les liens. Et franchement, il est très très fort. Rien à dire. Lui, franchement, je te conseille vraiment en milieu offensif. Nous passons à l'attaquant gauche. Et là, il y a juste Butler, qui est, voilà, qui est plutôt bon. Mais voilà, qui n'est pas non plus la folie. Mais voilà, il y a que lui. Si tu joues avec en ailier, voilà, c'est compliqué d'aller chercher mieux. Après, voilà, malheureusement, en ailier gauche de Bundes, il n'y a vraiment pas grand chose. Sinon, ses stats sont quand même plutôt pas mal. Il n'est pas à 80, regarde, il y a quand même 82 en vitesse et 80 en agilité avec une bonne stat en finition. En plus, il fait 1m88, je ne sais pas préciser, mais c'est plutôt pas mal. Voilà, 90 ce que ça donne. Alors, certes, c'est pas le meilleur, mais franchement, comme tu peux voir, il va faire largement le job, je pense. Nous passons au latéral droit, à l'attaquant droit plutôt. Et là, c'est Baker. Alors, lui, c'est juste en TGV, voilà. Si vous aimez courir et faire des dribbles, et ben c'est lui qu'il vous faut. Voilà, c'est un peu le même style. 98 en vitesse et 83 en agilité. Alors bien sûr, à 80, ça change pas grand-chose, même s'il passe déjà à 100 en vitesse. Voilà, c'est franchement très fort. Attention, 2 étoiles mauvais pied, donc il faut tirer que du droit. Mais sinon, voilà, ce que ça donne à 90, je trouve la carte plutôt belle également, à 90, cette carte-là. Donc franchement, c'est plutôt pas mal. Voilà, rien à dire. Il y a que lui également en AD, donc c'est pas évident de trouver mieux. Nous passons maintenant aux deux buteurs. Et le premier, encore un joueur du Hertha Berlin, c'est Córdoba. Voilà, qui est vraiment très rapide et surtout très physique. Voilà, 89 en physique, 80 en vitesse et 80 en tir de base, c'est quand même pas mal. Quand on passe à 80, voilà ce que ça donne. Franchement, très très fort. Attention, 3 étoiles de mauvais pied, donc bien tiré de son pied droit. Bon, il va t'en mettre de temps en temps du gauche, mais pas tout le temps. Et en plus, il a la tête puissante. Donc voilà, pour des centre-têtes, c'est qu'il y en a qui jouent pas mal centre-tête. Et ben lui, c'est vraiment, vraiment du pur plaisir, je pense, pour jouer en centre-tête. Parce que voilà, il est vraiment très fort, rapide, physique. Bon en tir, bonne agilité, voilà, mais surtout bon en jeu de tête également. Nous passons au dernier buteur, et là c'est Brel Embolo, voilà, le buteur suisse, qui est lui tout simplement incroyable, la même prime, hein, je ne l'ai pas précisé, que Córdoba, c'est ce attaquant de soutien. Donc voilà, franchement c'est pas mal, 4 étoiles mauvais pied, c'est bien, voilà, parce que comme ça au moins même du gauche, il va être plutôt pas mal. 89 en vitesse de base, 80 en physique, un petit 77 en tir. Voilà, ça donne en stats à 80, franchement c'est très très fort. Et alors à 90, voilà, ça donne en tout cas. Voilà, c'était le petit 15 des 15 joueurs Bundesliga, vraiment pépites, je trouve, qui sont vraiment pas mal pour commencer. N'hésite pas, bien sûr, si ça t'a plu, à liker, à partager et à t'abonner. Voilà, ce n'est pas déjà fait. On est vraiment pas loin des 1000 membres, hein, je le redis encore une fois. Donc, n'hésite pas également à rejoindre mon Discord. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. C'était Titi les gars. Ciao.